Bonsoir à tout le monde, bonsoir mes amis, buonasera a tutti, buenas tardes, good evening. Ce soir encore un autre concert avec les bols, maintenant ça devient de plus en plus vraiment des fidèles, des amis. Donc je suis très reconnaissante de votre présence, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Anche questa sera una serata con la meditazione con le campane di cristallo insieme a voi, oramai sempre più fedeli amici, e vi ringrazio veramente di cuore di essere ogni volta lunedì, mercoledì e venerdì. E qui al nord della Francia stasera vento, pioggerellina, tempo grigio, comincia a fare anche un po' freschetto. Il sole se n'è andato, ma magari fa anche bene un po' di pioggia perché è tanto che non piove. Donc ce soir ici, bon voilà, près d'Orléans, bah vent et pluie, fait gris, un petit peu froid même, un peu frisqué. On va utiliser cette méditation pour pouvoir vraiment se relaxer, faire le vide, se centrer dans l'espace du cœur. Laissez partir toutes les émotions qui sont fruits du mental, qui sont fruits de nos pensées, qui créent d'autres pensées, qui vont créer d'autres émotions, qui vont nous font rester dans un circuit fermé en ce moment où il n'y a pas forcément de belles vibrations, pas forcément de belles émotions. Donc, quoi qu'il en soit à l'extérieur, du pluie, du vent, du froid, le jour, la nuit, tout ce qui est à l'extérieur, on va le laisser comme au-delà d'un écran. Tutto quello che è all'esterno, pioggia, vento, freddo, qualsiasi pensiero, situazione negativa, lo lasciamo come al di là di un vetro, come al di là di una finestra, di una vetrata. E noi, on est à l'intérieur, et on peut voir, les yeux fermés bien sûr, on peut voir à l'extérieur de cette fenêtre, de cette vitre, et on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Simplement, on est des témoins de ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qu'on va entendre, c'est le bruit des bols de cristal. On va vraiment laisser rentrer le son à l'intérieur très profondément de nous-mêmes. Siamo all'interno di una palla di cristallo, di una bolla, e vediamo con gli occhi chiusi certamente quello che succede all'esterno. Quindi non siamo toccati da quello che succede all'esterno, perché l'unico suono che sentiamo è quello delle campane di cristallo. Donc on va être témoin éventuellement de nos pensées, on va être témoin éventuellement des émotions qui peuvent surgir, mais on est juste témoin, pareil que si on regarde un film. Quindi prendiamo consapevolezza delle emozioni, dei pensieri, ma non entriamo dentro queste emozioni, esattamente come se stessimo guardando un film attraverso uno schermo. La seule chose, on respire, on se relaxe, on se détend, on ouvre totalement toutes nos perceptions uniquement au son. Tutte le percezioni che apriamo sono esclusivamente quelle di ascoltare il suono delle campane. On va focaliser un point qui peut être entre les deux sourcils, le troisième œil, ou dans le cœur. Quindi possiamo focalizzare un punto o tra le sopracciglia, il terzo occhio, o il chakra del cuore. Ce que vous ressentez plus en sintonie avec vous-même maintenant, ce soir. Et à partir de ce point, on va laisser une totale ouverture et vous allez voir où vous allez. E a partire da questa apertura vi lasciate semplicemente trasportare e osservate dove vi porta questa energia questa sera. Buon ascolto.
Merci beaucoup. Grazie a tutti voi che siete rimasti qua in diretta. Et j'espère ça a apaisé un peu le cœur et ça a calmé la tête, le mental. Spero che abbiate potuto calmare il cuore e la mente. Et j'espère aussi qu'un jour il y aura moyen d'être plus près et de vous faire participer vraiment live avec les bols, parce que c'est magique si on est dans la même pièce, parce que la résonance des ondes sonores des bols de cristal est vraiment très intense et ça résonne avec notre corps, puisqu'on est fait de 80% d'eau aussi. Ça résonne à l'intérieur et ça a vraiment une, on appelle ça sonothérapie, ça a vraiment une qualité thérapeutique, puisque apparemment, surtout pour ceux qui étaient là depuis le début avec moi, on émet une intention par exemple avant la méditation, toujours, mais surtout avec les bols de cristal, et ces intentions voyagent grâce au son, grâce aux cristaux, et comme toute énergie, grâce aux ondes qui se créent, vont s'unir à nos cellules. Donc il y a des messages qui vont passer à niveau des cellules, qui vont alimenter le cœur, qui vont alimenter le cerveau, les neurones, toutes les cellules du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui a guéri le corps, le mental et notre âme. C'est quelque chose vraiment de très profond qui peut continuer dans la soirée si on a la possibilité de rester au calme, dans le silence, la nuit quand on va dormir. Et c'est vraiment assez incroyable. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup parmi vous que je connais personnellement, d'autres que je ne connais pas, mais que j'ai l'impression de vous connaître parce que vous êtes là depuis plus d'un mois. Donc c'est vraiment une petite famille. Voilà mes amis, cari amici, grazie di essere stati qui anche questa sera e di aver beneficiato di queste onde, di queste, come le onde del mare, di queste campane di cristallo, che hanno veramente un potere incredibile di guarire il corpo fisico, la mente, lo spirito. E tutte le nostre intenzioni viaggiano grazie al suono delle campane, raggiungono le nostre cellule e possono guarire, comunicare con tutto il corpo, con le cellule del cuore, della mente, con i neuroni, trasportare messaggi. Quindi grazie a voi, buona serata e a venerdì. E dimenticavo, domani faccio il viaggio sciamanico in italiano dalle 3 alle 5 per gli italiani. Chi vuole partecipare mi deve mandare una mail, c'è una piccola contribuzione di 20 euro e dura 2 ore e bisogna che abbiate il numero di Zoom perché lo facciamo tramite Zoom. Et vendredi, c'est pour les Français, le voyage chamanique de 3h à 5h, donc c'est 2h. Et il y a une contribution de 20 euros. Et puis voilà quoi, donc c'est avec le tambour chamanique. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. Et je crois bien que c'est la première fois que je fais ça par Zoom ou comme ça, donc ça sera une expérience. Et ça va changer des bols, ça va être encore autre chose. Et voilà quoi. Donc il vous faut un endroit où vous restez tranquille pendant 2 heures. Vous pouvez vous relaxer, si possible allongé. Et pas dérangé par le téléphone ou quelqu'un, si c'est possible. Et c'est quelque chose qui va vous amener dans un autre espace. Voilà. Quindi, à domani ou à venerdì. Namasté. Bonne soirée.